n'allez pas me dire que dans vos familles, vous n'avez pas des gens qui sont dans le commerce, qui sont dans ci, qui sont dans ça. Ouais. Mais c'est la maladie. Mengele, il y avait une émission hier soir sur Auschwitz. Il était à Auschwitz. Et ben voilà, donc Il faisait du mal aux enfants. voilà. Après, c'est ceux qui veulent. Non. Moi, je dis, de toute façon, c'est pas coupé. Ah oui, donc exister en liberté. Elle a fait un super truc aussi, Exister en liberté. Sa dernière vidéo, là, c'est d'hier ou voilà, d'hier ou avant-hier, vous allez voir. Ça Ouais. dure 30 minutes. Exister en liberté. Je sais plus son prénom. Comment c'est son prénom? Il y en a qui doivent le connaître. Elle est connue, Exister en liberté. Alors là, moi, je Elle te dis. parle. Non, non, mais Rémi, toi, tu es sur d'autres trucs. Chacun, tu peux Exister en pas. liberté, comment elle s'appelle la Eh dame non, mais qui. Rémi, tu peux pas être. On peut pas être partout. Non, mais je l'ai déjà vu, mais je me rappelle plus. Non, mais Rémi, Je sais toi, pas. déjà, tu fais plein de recherches sur ce qui se passe aux États-Unis pour en faire après tous tes lives. Ouais, je suis On pas un peut. spécialiste des États-Unis, mais. Non, mais enfin, sur deux. Tu t'as dit, envoyez-moi des choses. T'as dit, si vous avez des trucs, Corinne. envoyez-moi après. Voilà, Corinne. 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 Voilà. Corinne. Merci, Eh ben, Romain. ça a fait pleurer ma femme. Ah Voilà. bon? Ouais. Parce qu'elle dit des trucs. Voilà. Donc, ma femme, elle a regardé Zoe Xaipian et après Corinne, elle a fini avec Corinne. Et Corinne, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, Que tout le monde le connaît. y a des médecins qui lui ont envoyé des trucs, Ouais. des vidéos. En fait, quand ils font des réunions et tout, tu sais, par vidéo, machin, Ouais, et visio. ils ont filmé. Et ils ont dit, mais ils pensent qu'à l'oseille, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est l'argent. Il y a des médecins, c'est que l'argent. Et elle parle de ça. Donc ils veulent faire. On n'en parle pas, Bah, mais. ils ont des crédits, des maisons, des femmes, des enfants. C'est ça. Oui, mais après, il faut voir l'humain, il faut voir ce que ça va faire. Ouais. Moi, je le redis, j'ai eu. Dans mon centre médical, ils m'ont retiré dans mon dossier le vaccin de l'hépatite B. Et Ah ouais, pourquoi? tu l'avais dit Mais ça. bien sûr. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils savent qu'il y a eu, il y a des problèmes, mais que 6 mois après, j'ai un problème et que je vais dire, bah, sortez-moi le truc. Ils vont dire, bah, il n'y en a pas. Vous êtes sûr que c'était ici, monsieur? Peut-être que c'était ailleurs. Non, monsieur, c'est ici, je le sais très bien. Sauf qu'il n'est plus dans mon dossier. Voilà, donc moi, ils peuvent. Comme elle a dit. Tu sais ce qu'elle a dit chez le Breton, comment elle s'appelle Marie-Jeanne. Elle a dit, moi, on va me piquer comme un chien. Tu sais, quand le chien il va mourir, on le pique. Ouais. Elle dit, moi, on ne me piquera pas comme un chien, je préfère qu'on me tue avant. Il y en a plein qui disent ça, ben moi c'est pareil. Voilà, c'est tout. Qu'on le sache, ils peuvent me mettre en camp, et ben, on se retrouvera, on chantera des chansons, on se connaît. On se On se connaît. connaît. Ben oui, c'est nous. Parce qu'il y en a qui disent à un moment, j'ai discuté avec quelqu'un, qu'elle me disait, tu sais ce qu'elle me dit, elle me dit, oui, elle est dans le commerce. Elle dit, moi, je dis aux clientes que moi, je ne peux pas me faire vacciner parce que je suis, tu sais, un peu des malades et tout, des machins. Mais je lui dis, mais le dis pas à tes clientes. Parce que Ouais. si tu le dis, Ouais. après les clientes, elles vont te dire, si après, une fois que si tout le nombre il est vacciné, toi tu ne seras pas, bah, ton patron il pourra te virer parce qu'il te dira, bah, t'es pas vacciné, toi. Pour travailler, il faudra avoir le vaccin après. Hein. C'est comme ça que ça va finir. Hein. Tout par échelle, comme ça. Ouais. Le plan, c'est ça. Alors là, d'un seul coup, elle m'a regardé, on parlait sur le trottoir comme ça. Elle s'est dit, il a raison. Donc, je lui dis, laisse tomber, ne dis rien. Je lui dis, bientôt, ça va être comme ça. Il y en a plein qui le disent. Les vaccinés, ils auront le passeport vert. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est comme ceux qui avaient l'étoile juive. Voilà. Tu prends peut-être même plus. Y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça, bah bien sûr. Si Et... ça monte, ça monte, ça monte. Bah là, les gens, ils ne bougent pas. Si tu ne bouges pas, comment ça va faire? À un moment, tu vas voir. S'il n'y a que 5 ou 10% des gens qui sont contre et que 90% qui sont pour, même. ça bouge pas. Bah, ça bougera pas. Il y a quelqu'un qui dit Mengele était le père spirituel d'Hannibal Lecter. Il ôtait le dessus du crâne de ses victimes vivantes avec des électrodes plantées directement dans le cerveau. Voilà, Eh oui. bah, tu nous parles de personnages, toi, alors? Non, mais pourquoi je parle de ça? Parce que c'est par rapport à l'abus rituel des enfants qui disparaissent, il y en a des milliers. Et que si on ne sait pas où on gagne ou on perd, si on gagne, eh ben, les belles forces, les humains, ils gagneront. Mais si c'est le mal, eh ben, ça continuera. Hein, Salut Rosé. et puis on va disparaître. Hein, ceux qui, on sait pas, on va Rosé, voir. tu m'as pas vu, j'ai fait de la batterie. Rosé, t'étais pas là? T'as le replay disponible. On est parti dans la bagueterie. J'ai testé deux batteries. Voilà. On lui a remis un peu des étoiles. Faut lui redonner un peu la pêche à Rémi parce que c'est dur ce qu'il fait. Hein, Ça fait du moi. bien. Alors, donc voilà. Après, donc, Exister en liberté. Regardez sa dernière ou l'avant-dernière vidéo qui dure 30 minutes. Vous allez voir. Donc, elle donne des conseils. Et voilà. Comment. Ah ouais. J'ai vu une vidéo. Là, c'est pas en France, c'est à Bruxelles. Ouais. Comment fabriquer un égrégore? Parce que plus on s'énerve aussi. En fait, le problème, si on va dans la rue puis qu'on s'énerve, Ouais.
Eh ben, le mot qu'il faut pas dire, la bête.